maintenant entamer l'examen du point 2 inscrit à son ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis des documents S/2022/960 et S/2022/964, les textes de deux projets de résolution. J'attire l'attention des membres du Conseil sur le document S/2022/892, un rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Le Conseil est prêt à mettre les projets de résolution dont il est saisi aux voix. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de résolution contenu dans le document S/2022/960, présenté par la France. Je demande à ceux qui sont pour le projet de résolution contenu dans le document S/2022/960 de bien vouloir lever la main. The result of the voting. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a reçu 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité et sera connu comme résolution 2666 de 2022. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de résolution contenu dans le document S/2022/964, présenté par la France. Je demande à ceux qui sont pour le projet de résolution contenu dans le document S/2022/964 de bien vouloir lever la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a reçu 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité et sera connu comme résolution 2667 de 2022. I now give the floor to those members. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire des déclarations après le vote. Je donne la parole aux États-Unis. Yes. No. Yes. Microphone pour l'orateur, s'il vous plaît. Microphone pour l'orateur, s'il vous plaît. I'm sorry, I'm. Okay. Try it again. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Les États-Unis ont voté pour cette résolution afin que la MONUSCO puisse continuer ses efforts louables visant à protéger les civils, acheminer l'aide humanitaire et appuyer le gouvernement de la RDC sur le chemin vers la paix et la stabilité. Étant donné que nous sommes le contributeur financier numéro 1 à la mission, notre attachement à la MONUSCO ne peut être remis en question. Mais au-delà de cet engagement, nous avons voté pour le projet de résolution présenté, car clairement, ce texte stipule que les droits humains restent une tâche prioritaire pour la MONUSCO. La surveillance et la transmission de l'information en la matière sont des tâches critiques pour la mission. Cette résolution veillera à ce que la mission puisse continuer de s'acquitter de cette fonction importante. Ce qui est crucial, alors, qu'une période électorale va s'ouvrir en RDC. Nous nous félicitons aussi de l'accent placé sur les communications stratégiques et la lutte contre la désinformation et les informations erronées. Des fonctions vitales que la MONUSCO et le gouvernement de la RDC devraient réaliser la main dans la main. Autre élément fondamental, la résolution exhorte les acteurs militaires à se coordonner dans la région, à l'échelle de toute la région. Elle demande aussi que les acteurs de la région cessent leur appui aux groupes armés, y compris au M23 pour ce qui est du Rwanda. Ce qui est très important aussi, c'est que le mandat réitère clairement l'obligation de la MONUSCO à protéger Goma et les autres centres peuplés face aux groupes armés, que ce soit de façon unilatérale ou en appui aux forces congolaises. La MONUSCO reste un élément clé de l'infrastructure de sécurité de la RDC, à nos yeux. Cependant, nous savons que la mission ne peut demeurer sur le terrain pour toute l'éternité.
Partant, nous nous félicitons de la reconnaissance dans ce texte des défis qui doivent être relevés par la mission. Il nous tarde de recevoir des options d'adaptation de la configuration de la mission à l'avenir. Mais je voudrais aujourd'hui être claire. Toute mesure supplémentaire vers un retrait, in fine, de la mission doit faire l'objet d'un accord entre l'ONU et les responsables de la RDC, avec des contacts avec la société civile. Il faut éviter que les populations vulnérables ne soient plus en danger encore qu'aujourd'hui. Tout retrait qui ne serait pas accompagné d'amélioration significative des conditions à RDC ne ferait que miner les progrès que la RDC et la MONUSCO ont réalisés ensemble. Nous applaudissons Madame Keita, représentante spéciale du secrétaire général, et son équipe qui continue de réaliser le mandat de la MONUSCO dans des circonstances très difficiles, et il nous tarde de continuer d'appuyer la mission au fil des 12 prochains mois. Merci. Merci aux représentants des États-Unis. Je donne maintenant la parole à la Norvège. Merci, Madame la Présidente. La Norvège appuie avec ferveur la MONUSCO. Pour nous, son rôle de protection des civils en RDC est essentiel. C'est pourquoi nous avons voté pour le projet de résolution. Cela étant dit, nous savons que la MONUSCO, pendant des années, a joué un rôle important pour faire respecter les droits humains en RDC. Nous appuyons pleinement les initiatives régionales pour amener paix et développement dans l'est de la RDC. Pour nous, la MONUSCO doit être un acteur clé dans la coordination et l'appui aux nombreux efforts déployés pour stabiliser la région. Pour jouer ce rôle avec efficacité, nous espérons que la MONUSCO continuera d'accorder une attention de premier ordre à la promotion et protection des droits humains sur le terrain. Merci. Madame la Présidente, la Fédération de Russie a appuyé le projet de résolution du Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la MONUSCO. Nous saluons les négociations qui ont lieu par les délégations porte-plume et la prise en compte des préoccupations, notamment de la RDC. Nous nous félicitons de ce texte concis et du fait que l'on soit concentré sur les problèmes existants. Nous estimons qu'il est essentiel que ce moment est en effet décisif pour la RDC, alors que la situation est difficile dans l'est de la RDC, que le Conseil de sécurité ait parlé d'une seule voix en appui de la MONUSCO et du gouvernement congolais. Qui plus est, la résolution a quelques lacunes. Cela ne concerne pas seulement la RDC, mais également d'autres missions des Nations Unies. Et j'ai à l'esprit notamment la pratique suivie, hélas, par le Conseil de sécurité de donner des tâches d'ordre secondaire aux missions de maintien de la paix alors qu'il y a une escalade de conflits armés. Et que ce qui compte avant tout, c'est que le Conseil de sécurité doit aider le pays à régler ses problèmes. Mais en fait, la plupart des discussions portent sur des prérogatives de surveillance des droits humains ou encore d'analyse fondée sur le genre ou encore d'autres questions d'ordre périphérique. Et ces questions sont certes importantes, cependant, ces discussions édulcore quelque peu les tâches de maintien de la paix et de la sécurité internationale confiées au Conseil de sécurité conformément à la charte ainsi que la prévention et le règlement des conflits. Nous appelons nos collègues à y réfléchir, notamment en s'inspirant de la situation en RDC où cela fait près de 20 ans que l'on essaye de protéger les civils et la population civile. Madame la Présidente, la Fédération de Russie a également appuyé le projet de résolution du Conseil de sécurité sur la levée du régime de notification préalable pour ce qui est de Kinshasa. Nous félicitons de cette avancée salutaire. La Fédération de Russie n'a cessé d'aider de plaider en faveur de cette cause pour le Congo et la RDC et d'autres pays. Les sanctions doivent toujours correspondre à la réalité sur le terrain et à l'évolution de la situation. Il est essentiel de les réviser
régulièrement et enfin de parvenir à leur levée complète. De nombreux régimes de sanctions du Conseil de sécurité en vigueur aujourd'hui, selon nous, ne sont plus conformes à la réalité, entravent les plans des gouvernements nationaux en matière d'édification de l'État ou encore de formation de forces de sécurité ou de forces militaires digne de ce nom. Et c'est le cas également de la RDC. Et déjà au printemps, nous étions prêts à lever ces processus de notification afin que toutes les restrictions ne portent plus que sur les groupes armés. Nous sommes ravis d'avoir pu adopter cette résolution aujourd'hui et que le Conseil de sécurité, en dépit des doutes qu'entretiennent certaines délégations, a pu prendre cette décision. Merci. Thank you to the... Merci à la Fédération de Russie. Je donne maintenant la parole à l'Irlande. Merci, Madame la Présidente. L'Irlande a voté pour le projet de résolution pour lever les exigences de notification dans le cadre du régime de sanctions concernant la République démocratique du Congo. Nous nous félicitons que cet élément ait été découplé de la résolution du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Cependant, nous sommes mal à l'aise avec certains éléments. Pour garantir la cohérence et la clarté des régimes de sanctions, nous préférons que les questions connexes aux sanctions soient accouplées avec les processus de renouvellement des mandats des régimes de sanctions. Et pour nous, il ne faut pas mélanger les discussions avec d'autres questions. Nous avons décidé de voter pour cette résolution en dépit de la façon dont les choses ont été présentées. Des opinions complexes et divergentes existent concernant cette notification, cette exigence de notification. Insister sur le maintien de cette exigence risque de miner l'ensemble du régime de sanctions concernant la RDC. Nous estimons que ce régime de sanctions est un outil fondamental dans les efforts pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la sécurité en RDC. C'est la raison pour laquelle nous avons voté pour au mieux protéger ce régime dans son ensemble. Cela étant dit, nous aimerions rappeler la valeur des exigences de présentation de notifications pour la gestion des armes et le processus de DDR en République démocratique du Congo, des pièces essentielles d'une paix pérenne. L'exigence de présentation de notifications contribue à superviser l'embargo sur les armes, notamment. Nous nous félicitons de l'inclusion dans la résolution des éléments concernant l'examen à réaliser avant le renouvellement du régime de sanctions. Cela aidera le Conseil à prendre les bonnes décisions et à garantir la bonne gestion des armes et à lutter contre le trafic d'armes. Madame la Présidente, la RDC a été très claire quant à sa demande de lever cette exigence de notification. C'est fait maintenant. Nous espérons que la décision prise par le Conseil aujourd'hui appuiera les efforts déployés pour que les populations de la région des Grands Lacs et de RDC puissent jouir de la paix. Merci. Now give the floor to the ambassador of China. Merci. La Chine a la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, au fil des ans, la MONUSCO s'est acquittée activement de son mandat et a réalisé des contributions importantes au maintien de la paix et de la stabilité dans la région. La Chine s'en félicite. À l'heure actuelle, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste précaire. Des groupes armés occupent de vastes pans du territoire de la RDC et menacent gravement les vies et la propriété des citoyens. Dans ces circonstances, le renouvellement du mandat de la MONUSCO est propice à garantir la paix et la stabilité et conforme aux attentes du gouvernement de RDC. C'est la raison pour laquelle la Chine a voté pour ce projet de résolution. Dans le même temps, je tiens à insister sur le fait qu'il est encore possible de réformer et améliorer la façon dont fonctionnent les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Les missions de l'ONU au Mali, en RDC, au Soudan du Sud, en RCA, ont un mandat trop vaste, trop général. Les ressources ne suffisent pas à garantir la réalisation des tâches clés de ces mandats. Certains mandats ont aussi été la source de mécontentement parmi les populations des pays concernés, avec des retombées néfastes pour la sécurité des casques bleus. Nous appuyons la réalisation d'examens complets des mandats des opérations de maintien de la paix en Afrique.
pour que les tâches dépassant les capacités d'émission soient de nouveau la responsabilité des gouvernements et des équipes de pays dans les pays concernés. Pour ce qui est de la MONUSCO, sa tâche clé est d'appuyer le processus de paix, la protection des civils et le maintien de la paix et de la stabilité. Des tâches telles que la supervision de la situation en matière de droits humains ou la supervision du respect des sanctions diluent les ressources, avec en outre des doublons par rapport à d'autres mécanismes de surveillance. Nous espérons qu'à l'avenir, le Conseil de sécurité, à la lumière de l'évolution de la situation, rationalisera et ajustera les mandats. L'autre résolution que le Conseil vient d'adopter lève complètement l'exigence de présentation de notification pour l'importation d'armes par le gouvernement de la RDC. Nous en félicitons. Ces dernières années, la Chine et les pays africains n'ont eu de cesse d'appeler à la levée ou à l'ajustement des mesures de sanctions visant des pays africains. Nous sommes très heureux de voir qu'alors que le gouvernement de RDC est à la croisée des chemins et lutte contre des groupes armés en essayant de maintenir la sécurité nationale, le Conseil de sécurité a entendu ces demandes en adoptant cette résolution. C'est fondamental dans l'immédiat pour permettre un renforcement des capacités des forces de sécurité en RDC et préserver la paix et la stabilité dans la région. Nous comptons que le Conseil restera uni sur les questions liées aux sanctions et prendra des décisions à la lumière de l'évolution de la situation pour adapter ou lever les mesures d'embargo sur les armes visant des pays africains comme le Soudan du Sud ou la RCA, afin de permettre au gouvernement de ces pays d'améliorer leurs capacités dans le domaine de la sécurité. Je vous remercie. Merci à la Chine. Je donne maintenant la parole au Gabon. Merci, Madame la Présidente. Le Gabon a voté pour les deux résolutions adoptées aujourd'hui. Notre vote est une marque de soutien à la MONUSCO et aux efforts déployés par la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Bintou Keïta. Notre vote reflète surtout l'expression de notre plaidoyer constant pour une réelle adéquation entre l'action du Conseil et les aspirations légitimes du peuple congolais à la sécurité. Nous sommes persuadés que la levée de l'obligation de notification préalable va démanteler toutes les entraves à la capacité de la RDC à donner une pleine riposte plus efficace aux groupes armés qui alimentent le pillage des ressources et commettent des atrocités sur les populations civiles à l'est de la RDC. Des groupes armés qui sont lourdement équipés et qui n'ont aucune contrainte et ne respectent aucun embargo. Il s'agit là d'une réelle avancée qui permet aux autorités congolaises d'assumer la plénitude de leurs responsabilités. Ce Conseil a fini par comprendre que restreindre la marge de manœuvre d'un gouvernement dirigé par des autorités démocratiquement élues qui fait face à des défis sécuritaires de grande ampleur n'est pas une bonne chose. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de ce pas dans la bonne direction qui est également un message fort de solidarité au peuple congolais qui est dans une situation charnière et particulière de son histoire. Pour terminer, je voudrais encourager les membres de ce Conseil à continuer à transcender les différences, leurs différences et leurs intérêts afin de soutenir les dynamiques et processus de paix en cours en ce moment concernant la RDC et surtout à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. I thank Gabon for this. Merci au Gabon. Je donne maintenant la parole au Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente. Le Royaume-Uni se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2666 qui renouvelle le mandat de la MONUSCO. Nous formons le vœu de voir cette résolution constituer un socle solide pour un dialogue entre le gouvernement de la RDC et la MONUSCO, un dialogue constructif, y compris sur l'examen du plan conjoint de transition. Le Royaume-Uni continue d'estimer que l'exigence de notification a du mérite. C'est un outil important pour suivre les flux d'armes qui arrivent vers des groupes armés en RDC. Cependant, nous avons voté pour la résolution 2667 plutôt,
et ce en raison de l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Le Royaume-Uni ne considère pas que les processus de notification empêchent les gouvernements de renforcer les capacités dont ils ont besoin pour garantir la sécurité. Cependant, nous reconnaissons la requête présentée par nos amis en RDC, étant donné les défis qui se posent actuellement sur le plan de la sécurité. Nous espérons que la décision prise par le Conseil aujourd'hui viendra contribuer à aider le gouvernement de la RDC à restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays et à mettre fin au cycle de violence. À cet égard, nous encourageons le gouvernement de la RDC à avancer vers l'établissement de forces de sécurité responsables et professionnelles à travers une réforme complète du secteur de la sécurité. Nous exhortons en outre le gouvernement à faire fond sur l'appui de la MONUSCO, de la famille de l'ONU et de ses partenaires dans ce domaine. Merci. Merci au Royaume-Uni. Je donne maintenant la parole à la délégation des Émirats arabes unis. Merci, Madame la Présidente. Les Émirats arabes unis se félicitent de l'adoption à l'unanimité aujourd'hui de deux résolutions importantes concernant la RDC. Nous saluons la flexibilité dont ont fait preuve les membres du Conseil au cours du processus de négociation. Nous avons voté pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO car nous pensons que la mission continue de jouer un rôle vital pour garantir la protection des civils, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et appuyer le gouvernement de la RDC alors que celui-ci s'efforce de bâtir une nation prospère et pacifique. Concernant la crise humanitaire, nous sommes profondément inquiets face à l'ampleur de cette crise dans le pays. Nous voulons étayer les efforts des acteurs humanitaires congolais et internationaux pour prêter main forte à ceux dans le besoin. Le mandat d'aujourd'hui évoque le besoin de faciliter le commerce de biens de première nécessité pour répondre aux besoins des civils. Il faut déployer tous les efforts possibles pour lutter contre les activités des groupes armés et leurs retombées néfastes sur le plan humanitaire. Madame la Présidente, la semaine dernière, la RDC a été frappée par les pires inondations depuis 2019. Elles ont été la cause de nombreuses destructions qui s'ajoutent aux difficultés que rencontre le pays. Le Conseil de sécurité doit se pencher, donc, nous le voyons encore une fois, sur les conséquences néfastes des changements climatiques, y compris en recevant des données de qualité sur la façon dont les défis climatiques peuvent exacerber les risques et la façon dont nous pouvons relever ces défis avec efficacité. Pour cela, il faut des informations précises pour trouver les meilleures voies pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons déjà proposé que les rapports du secrétaire général incluent des informations sur les défis sécuritaires. Malheureusement, cette proposition n'a pas été acceptée pour la MONUSCO dans la résolution que nous avons appuyée aujourd'hui. Enfin, pour ce qui est de la levée des exigences de notification, nous félicitons qu'elle ait été levée pour que le gouvernement puisse répondre aux défis auxquels il est confronté. En guise de conclusion, Madame la Présidente, les Émirats arabes unis sont déterminés à appuyer tous les efforts pour parvenir à la paix et à la sécurité en RDC. Merci. Merci aux Émirats arabes unis. Je donne maintenant la parole au Kenya. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions la France qui a coordonné avec succès les négociations pour renouveler le mandat de la MONUSCO. Le Kenya a voté pour la résolution 2666, car elle met l'accent sur la protection des civils et dit clairement que le mandat de la mission en matière de protection des civils tient et inclut la prise de toutes les mesures nécessaires pour prévenir et dissuader les groupes armés et les milices locales d'infliger des souffrances aux civils. En adoptant une posture robuste de cette nature, nous pensons que la mission pourra gagner la confiance de la communauté haute. C'est fondamental si nous voulons que les casques bleus remportent un succès dans l'appui apporté au gouvernement de RDC pour l'aider à mieux s'acquitter de sa responsabilité première en matière de protection des civils. Cette protection des civils s'accompagne d'autres tâches prioritaires, l'appui au processus de DDR, l'appui à la réforme du secteur de la sécurité, notamment, qui sont des pièces essentielles au succès du processus de paix en cours, y compris dans le dialogue intercongolais. La MONUSCO est un partenaire important du gouvernement et du peuple de RDC. Le mandat renouvelé aujourd'hui, s'il est mis en œuvre,
avec robustesse, nous en sommes certains, appuiera les efforts de stabilisation. Nous sommes favorables à une coordination entre eux, le gouvernement de RDC et la MONUSCO renforcée. Nous nous félicitons de l'incorporation dans le mandat de la MONUSCO de l'appui aux forces de la communauté d'Afrique orientale. C'est ce qu'a demandé le groupe A3 qui veut la création d'un mécanisme d'appui en la matière. Concernant la protection des civils, la communication, le partage de l'information, l'appui opérationnel et le relèvement des communautés et les programmes de stabilisation, ce sont aussi pour nous des éléments fondamentaux. Alors que notre mandat de 2 ans s'achève au Conseil, nous continuerons de travailler la main dans la main avec la RDC pour parvenir à la paix, à la stabilité et au progrès socio-économique tant désiré. Nous continuerons notamment de jouer un rôle premier en tant que pays fournisseur de contingents à la MONUSCO, facilitateur du processus mené par la communauté d'Afrique orientale et partenaire économique clé de la RDC. Au fil des prochaines semaines et des prochains mois, la décision que nous avons prise aujourd'hui permettra une meilleure coordination entre le Conseil, la RDC et les mécanismes dans la région pour amener stabilité et paix pérenne en RDC, de façon à appuyer sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses aspirations en matière de développement. Madame la Présidente, j'aimerais faire quelques observations. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Kenya, for your statement, and I'm... Merci au Kenya. Je donne maintenant la parole à la délégation suivante, le Ghana. Madame, President. Madame la Présidente, le Ghana remercie la France pour tous les efforts déployés au cours des négociations sur les résolutions que nous venons d'adopter. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO est une mesure importante pour préserver la stabilité en RDC. Étant donné les difficultés sur le plan de la sécurité dans l'est du pays, certaines de nos ambitions ne se sont pas concrétisées. Nous voulions notamment une coordination et un appui plus intégré pour la force de la communauté d'Afrique orientale. Cela étant dit, nous sommes d'avis que la résolution que nous avons adoptée nous donne une marge de manœuvre pour poursuivre les contacts et les échanges en marge et au-delà de ce Conseil de sécurité pour changer les réalités pour le mieux sur le terrain en RDC. Des élections approchent à l'horizon 2023. Nous en prenons bonne note. Nous exhortons à la pleine mise en œuvre du mandat de la MONUSCO pour jouer un rôle positif afin de réunir les conditions nécessaires à l'organisation d'élections pacifiques. Nous encourageons le Conseil à apporter un appui uni à la RDC et nous espérons que les examens futurs du mandat de la mission reflèteront la sagesse collective du Conseil. Concernant le régime de sanctions, nous présentons nos remerciements à toutes les délégations pour le consensus qu'il a été possible de dégager afin de lever l'obligation de notification. Nous avons toujours, avec les collègues du groupe A3, affirmé que dans les circonstances actuelles, le gouvernement de RDC doit être libéré de toutes les entraves ou de tous les obstacles qui l'empêchent de développer ses capacités à s'acquitter de ses obligations, les obligations de taille placées sur ses épaules par ce Conseil en matière de protection des civils et de prévention de violations des droits de l'homme par les groupes armés. Cette résolution a été adoptée par consensus également. Nous espérons que, après cette décision, les groupes qui sèment le chaos dans l'est de la RDC comprendront donc l'unanimité de toute la communauté internationale qui s'est prononcé là contre leurs agissements. Nous leur demandons de participer au volet sécuritaire du processus de Nairobi et demandons un appui de la communauté internationale au processus de DDR.
Nous nous félicitons des accords récents au Rwanda, qui sont une nouvelle nous semblant très positive, et nous voulons continuer d'encourager les efforts régionaux pour régler les problèmes sécuritaires et politiques en RDC. Étant donné toutes ces circonstances, nous avons voté pour les deux projets de résolution qui nous ont été présentés ce matin. Je vous remercie. Je remercie le Ghana de sa déclaration. Il n'y a plus de noms inscrits sur la liste des orateurs. La séance est levée.